Elle me regarde, mais elle me regarde sans leur tête. C'est encore pire. Préparation de l'environnement. Vous les arrivant. Section 1 activée. Autorisation des objectifs liés. Merci pour la vague de subgift. J'ai pas vu qui l'a fait sur TikTok. Merci beaucoup. Merci infiniment. N'oubliez pas de remercier les gens qui subgift. Ça fait toujours plaisir. Les yeux sont en train de t'observer. Alors, pour changer, alors c'est pas trop original, on est un peu amnésique. Mais je crois que c'est un petit peu à l'assaut, les amis, on est observé. Et il va falloir essayer de se sortir de là, de cet enfer. Vous voyez, là la musique, le son, je pense ça va quand c'est en jeu. C'est pour ça que je me fie pas trop au générique. On vient juste de lancer, vous avez rien loupé, les amis. C'est quoi, une lampe de torche? Une poignée. Ok, on a une poignée de porte. Merci Chloé pour le 7e mois, merci beaucoup à toi. Coucou les arrivants. Rien que le toc 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 sur les placards, il me fait peur, parce que si quelqu'un répond... Est-ce qu'on peut voir dehors? Non, hein, c'est des vitres à un seul sens, vous avez vu, c'est des vitres miroirs. Merci Glacial pour le sub sur TikTok. Est-ce que je parle plus de GG pour Glacial sur TikTok qui rejoint la team BTG qui gagne les commandes vocales. Et merci à Luki pour le renouvellement pour les 5 mois de ça. Merci beaucoup et bienvenue à Gitana. C'est 10h du soir. Vous voulez qu'on fasse quelle porte? 1 ou 2? 1 pour la porte de gauche, 2 pour la porte de droite. Je sais pas si elle s'ouvre les deux. Hein. Dites-moi 1 ou 2. Mais coucou tous les arrivants. Je vous fais un bonjour global, les amis, j'ai dû louper des bonjours. 1, 3. Ah, il y en a une. Ah, il y a 3 aussi, vous avez raison. 1, 2 ou 3, dites-moi. Merci, Kat, pour le subgift. Merci beaucoup, les amis, pour votre support sur TikTok. Et sur Twitch, bien entendu, et YouTube. Bon, c'est un peu partagé, mais je vois plus de 1. C'est la technique de labyrinthe de toujours aller à gauche. On peut pas. Ouais, on a bien fait. On va faire dans l'ordre, vous savez quoi? Est-ce que celle-là, elle s'ouvre? Ok. C'est vrai, merci beaucoup, Gitana. Ça manque de lampes de torche. À mon avis, on va en choper une. Genre, c'est pas ça, là? Non. Ok, c'est une rangée de livres et il y a assez d'espace pour y mettre un livre en plus. C'est Raptor, coucou tous les arrivants. Coucou Fred. Bah alors, Fred, c'est quoi cette icône que t'as à côté? Bah alors, il y a un bug, Fred? Comment ça se fait? Quelqu'un? Ah bah oui, il y a l'air d'avoir quelqu'un là-bas. Ok, un boîtier électrique. Oh my god. Bouchez-vous les oreilles. C'est quoi? C'est un chiffre? On dirait un 7. Je pense que c'est rien, mais si je vous dis que c'est un chiffre numéro 7, vous allez tous commencer à regarder des chiffres de partout, je vous connais. Coucou tous les arrivants, j'espère que vous avez passé un bon week-end, je suis trop content de vous retrouver pour une nouvelle semaine.
Il y a Kutchi. À mon avis, il va pas avoir Kutchi pendant longtemps. Non, regardez, là, il y a la même marque, c'est pas un 7. Par contre, il y a ce signe. Je pense qu'on est, tombé dans le, comment dire, dans le repère d'une secte, parce que regardez, ça a l'air d'être leur signe, ça, les yeux. Light switch. Light switch. Ok, c'est un interrupteur. Ok, c'est une machine qui est bloquée et on a besoin d'un outil pour pouvoir l'ouvrir. Il y a sûrement un truc dedans. J'ai l'impression que là où il y a des yeux, c'est là où il y a l'énigme à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est un interrupteur, ouais. Et genre, donc ça veut dire que sur l'horloge, il y aura un truc à faire. Une horloge qui n'a plus de batterie. Merci Gietana pour le premier mois de sub. Nouveau petit fantôme, merci à toi. Coucou à tous les arrivants. Et arrivantes. Ok, on peut pas trop voir si on a un inventaire par contre. Ah, c'est quoi? Non, mais vous inquiétez pas, c'est juste une bonne bolognaise. C'est juste une bonne bolognaise. C'est un chili. Un petit peu trop épicé. Merci Brice pour les 245 bits. Merci beaucoup. Ok, donc il y a bien une histoire de code. Il y a une histoire de code. Est-ce que vous pouvez retenir pour moi, c'est un code à 4 chiffres qui finit par un 2. Coucou aux arrivants. Une bolognaise explosive, Noémie, tout ça fait. C'est ça, Ellie, on est d'accord. Hein. Coucou les arrivants. Merci Cléopatra pour les 6 mois. C'est grand fantôme au bout de 6 mois. Et merci à Marion. Bienvenue parmi les petits fantômes. Nouveau premier mois de sub. Merci pour le prime. Ok, on a un livre. Alors, on a vu qu'il y avait un espace là-bas pour un livre. On va aller le mettre. Ah, attendez, il y a la radio aussi. Ok, l'antenne de la radio est cassée. Faudrait qu'on trouve... on peut pas foutre une fourchette. Vous avez déjà fait ça ou pas? Je pense que les plus vieux d'entre vous, ils connaissent, qui sont déjà allés au camping quand ils étaient plus jeunes. Avant, on avait des radios tellement pourries. Maintenant, on a le téléphone portable. Faut savoir qu'avant, le téléphone portable n'existait pas. On avait des vieilles radios toutes pourries avec des antennes pourries. Et des fois, elles s'enlevaient. On mettait des fourchettes dedans pour les faire marcher. Ou un cintre. Ok, c'est une télé à laquelle il manque une télécommande. Ah mais c'est une blague, plus ça, plus on est dans le noir. Oh, ça serait pour la machine à laver, je pense. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un juste derrière moi qui allume, qui éteint les trucs au fur et à mesure. Coucou tous les arrivants. Ouais, fourchette, cintre, tout y passait. C'est quoi ça? Ok, c'est un scanner de la main. Des fois, ils prennent ça pour... coucou les arrivants sur TikTok, Ferdaous, Mayna, tout le monde. Pour les passeports, ils prennent ça à la mairie. Par contre, faut qu'on aille jusqu'à là-bas dans le noir. Ça vient de devant. Ça vient de devant. Merde, je peux pas ouvrir. C'était ici la machine à laver. Beaucoup tous les arrivants. Qu'est-ce qu'on fait? On y va? J'ai pas trop envie d'y aller. Là on n'a pas... Elle marche pas. Faudrait qu'on aille jusqu'à la salle de bain, mais on peut pas y aller. Je pourrais ouvrir la lumière à votre avis?
Ah, attendez, on peut ouvrir la lumière. Pourquoi je fais pas ça? Non, on peut ouvrir juste ça. Hein. On peut faire quelque chose, ça, avec les interrupteurs? Non. Merci Ninja pour le follow. Bienvenue à la commu. Merci Amélie pour les 100 bits. Et merci la relou pour les 3 mois. Et bah, ça y est, c'est le petit fantôme. Merci beaucoup, la relou. Attends, mais si tu te sens bien. Je crois qu'il y a Dark Vador juste devant. Non mais je peux pas avancer plus, c'est pas possible. Oh putain, j'ai la chair de poule de partout. Machine à laver. What? C'est qui? On aurait dit un médecin, il avait un masque. Prospécimen libéré dans la section 1. Augmentation du level de menace pour le sujet. Le sujet, c'est nous. Hein. Coucou les arrivants. C'était comme ça, les. Il y avait pas ça. Il y avait ces tableaux de l'angoisse. Putain, il est en train de prendre une douche. Coucou tous les arrivants. On est dans la merde, une fois de plus. Moi aussi, ils me disent rien, soit. Non, mais d'accord, ils sont nouveaux. Hein. Surtout celui-là, il fait flipper. J'ai l'impression que c'est un mannequin couvert de sang qu'ils ont libéré. Il est sorti du bain et l'eau. Des arrivants. Je peux pas l'ouvrir ça avec le tournevis? Qu'est-ce qu'on fait? Attendez, on n'a plus rien pris. On a lavé la télécommande, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, on a récupéré une clé pour un tiroir. Ok. Où c'est qu'on avait un tiroir bloqué? Vous vous souvenez où c'est qu'on avait un tiroir bloqué? Et gros, préparez le congélo et Missou. Coucou tous les arrivants, comment ça va? On est reparti pour deux jeux d'horreur ce soir. C'est l'espèce de mannequin plein de sang qui a décapité l'autre.
Je me demande, à votre avis, c'est qui? Je crois que c'est le professeur qu'on a vu dans la vidéo. On a eu quelqu'un avec un masque, un humain, et il y avait une espèce de mannequin qui l'a tué. Je pense que c'est le professeur qu'on a vu dans la vidéo, c'était le sujet de juste avant, à mon avis. Coucou tous les arrivants. Il venait de la pièce à droite, de la pièce où il y a la télé, on va y aller. Putain, y'a pas de lumière. On peut pas remettre la télé. Après, on a toujours une clé pour un tiroir. Hein. Je peux pas y aller. Ok, attendez, on faut pas aller là-bas. On doit avoir un tiroir bloqué quelque part. Coucou les arrivants. Et à mon avis, alors déjà il y a un code qui finit par un 2. Et je pense que c'est un tiroir sur lequel il y a un œil de dessiné dessus. Merci Gitana pour les bits, merci beaucoup à toi. On peut pas faire. Là on n'a pas de pile. Du coup les arrivants. C'est qu'on va avoir un tiroir. C'est ça peut-être, non? Monsieur, excusez-moi, j'ai pris une clé, mais je sais pas ce qu'il y a où ça ouvre. Est-ce que vous pourriez m'aider? Après, je crois qu'il a un peu perdu la tête. Une lumière qu'on n'a pas ouverte. Ça va, Team C? Merci beaucoup. Les commandes de bug sur... Ah mais oui, c'est normal. Cherchez pas, je comprends, je sais pourquoi ça bug sur TikTok. Attendez, une petite seconde. Forcément, j'ai pas lancé ce qu'il fallait, donc... Attendez, 30 secondes de pause. Le temps que je répare mes bêtises. Hop, hop. Hop. Bien sûr, mon clavier est en anglais, sinon c'est pas drôle. Donc, on fait Subject pour appel, et le deuxième jeu, ça sera Rise of Insanity. Hop. Hop, sur TikTok, ça devrait être bon, comme sur Twitch, vous avez les commandes. Bon, qu'est-ce qu'on ouvre, les amis? On a la clé pour un tiroir. Coucou les arrivants, comment ça va? Ouais, bon, j'ai bu un café juste avant le live, c'est peut-être pour ça que le BPM est haut. Ça, on peut rien en faire. Qu'est-ce qu'on n'a pas ouvert? Moi aussi, Lindarf, hein, ça m'a grave manqué ce week-end, madame. Bah, j'ai pas réussi, Laetitia. J'y ai pensé au carton, mais il veut rien faire. Pourtant, il a le tournevis, mais... Je n'arrive pas à interagir avec. Ah, c'est là. Balance un jumpscare sur TikTok. Coucou les arrivants. Ok, attendez, on a une touche de clavier. Apparemment, il nous manquait la touche numéro 1, non? C'était une touche de clavier numéro 1. Ou alors, c'est pour le digicode là-bas, mais Oh mon dieu. Oh mon dieu. Non mais regardez-moi cette angoisse. Regardez-moi cette angoisse.
Là, on les voit bien, les tableaux de l'enfer. Les PM qui s'excitent devant les tableaux. Coucou tous les arrivants. Ah, c'est pour là, regardez. Le problème, c'est que... 7777, c'était 7 le dernier chiffre. C'était quoi, le dernier chiffre? C'était 7. Attendez, on met ma date de naissance. Ah, ma date de naissance, attendez, mon année de naissance, 1982, ça se trouve, c'est ça. Hein. Ah, si c'était ça. Ouais, une bonne location pour les vacances, ouais, c'est ça. Bah, tout est compris, regardez, même le cadavre dans le... dans la baignoire. Ok, il faut qu'on trouve les 4 autres chiffres. Merci Team C, nouveau petit fantôme, merci à toi pour ton premier mois de sub. Celle-là, on peut pas l'ouvrir depuis tout à l'heure, cette porte. Hein. Ah, regardez! Le 2. Donc ça commence par un 2 et ça finit par un 2. Coucou les arrivants. Ça commence par un 2 et ça finit par un 2. Le frigo, on l'a vu déjà. Donc il nous reste les deux chiffres du milieu. À mon avis, ils ont pas mis les chiffres dans les mêmes salles, donc à mon avis, il n'y a pas deux chiffres au même endroit. Ce qui est bizarre, c'est que, bon, au-delà de ça, hein, qui est bizarre, c'est que j'arrive pas à ouvrir la machine à laver alors qu'on a l'outil pour. Hein. Merci Morgane pour le sub gift, merci à toi, coucou les arrivants. L'horloge, on peut pas cratite parce qu'en fait, ça nous a dit qu'il n'y a pas de piles. Il faut qu'on récupère des piles pour l'horloge. Ah, zéro. Troisième chiffre, zéro. Ok, donc ça fait 2 quelque chose, 0, 2. Thank you. Merci Morgane pour les 5 sub gifts. Merci à vous pour votre soutien, les amis. Et votre présence avant tout. Voilà, on pourrait déjà déduire le code en essayant toutes les combinaisons. Mais on va essayer de trouver le deuxième quand même. Je pense qu'il est dans le coin. Comme d'hab, on fait le jeu ensemble. Alors, à part si vous connaissez, spoilez pas. Mais sinon, vous pouvez chercher avec moi. Si vous voyez, n'hésitez pas à le dire. Non, mais c'est quoi ça? Non mais c'est quoi ça? C'est quoi cette horreur? Un. Ok, un en deuxième chiffre. Ça fait quoi du coup? 2, 1, 0, 2. Ok, top. Merci beaucoup pour le rappel. Je sens que derrière, on va libérer le machin qui nous ont... l'espèce de sujet qui nous ont balancé dessus. C'est quoi? Ok, il manque une valve. Poignée de porte, on peut pas la mettre? On avait une poignée de porte au début du jeu, vous vous souvenez? Coucou tous les arrivants, comment ça va? Merci pour vos gifts, les amis TikTok. Merci TikTok pour le deuxième mois avec le Prime. GG pour le petit fantôme. Et merci Laetitia pour le Ko-fi. Merci beaucoup pour les dons sur Ko-fi, ça aide énormément. Merci à vous. Merci Laetitia. Ok, j'ai l'impression qu'on a plus la poignée de porte qu'on avait au début du jeu. Bizarre. Mais là on peut pas y aller, il y a un truc qui s'est débloqué si on revient. Ça s'est éteint. Il y a tout qui s'est éteint de nouveau. Coucou les arrivants. Regardez, ça s'est refermé. Ça s'est refermé, là. J'ai l'impression que c'est bien là-bas, mais je vois pas ce qu'on peut faire parce que la poignée de porte, on n'arrive pas à la mettre. Ça, je peux rien en faire. Merci, Pineapple. Pineapple, c'est bon. Mais pas avec les pizzas. Merci pour ton follow sur Twitch. Bienvenue dans la commune. Coucou les arrivants.
Là, regardez, j'avais pas fait gaffe. Il y a un truc là. C'est quoi? Oh, l'antenne radio. Parfait. C'est moi ou ça vient d'apparaître le grillage là? Moi, j'ai passé un bon week-end, les amis. Salut Boulmi, salut tout le monde. J'avais juste hâte de vous retrouver. Je t'ai dit salut, Sidi. Sidi, je comprends pas parce qu'à chaque fois, je te dis bonjour. Il y a des fois, je te dis 5 fois bonjour. Et tu dis que je te réponds pas. Du coup, je suis désolé. Je sais pas si t'as pas oublié de mettre ton son. Mais malheureusement, je peux pas passer le live à te dire bonjour alors que je te dis bonjour. Hein. Je peux rien faire de plus, malheureusement. Merci, Maëli, pour le follow. Bienvenue à la commu. C'était tout noir, on est d'accord. Ok. Pour les arrivants. C'est un couteau? Non, c'est une espèce de spatule à crêpes, non? Ah putain, c'est pour la machine à laver. Coucou les arrivants. J'ai pas eu le temps de voir qu'est-ce qu'il y a eu. Priscilla, c'est ton anniversaire? Félicitations, je sais pas pourquoi le c'est passé trop vite, mais... Coucou les arrivants. Coucou Jillian, coucou tout le monde. Ah, t'es devenu tata, félicitations. Par contre, lui, je sais pas s'il est devenu tata, mais il est plus là. lui, il a disparu, lui. C'est embêtant. C'est vrai, Pinapple, merci beaucoup. Ok, on a la valve qui nous manque. Merci, Maëlie, pour le follow. Bienvenue à la commune. Coucou, les arrivants. C'est juste pas possible de faire un portrait comme ça, de faire un tableau comme ça, non. Ça devrait pas exister, ça devrait pas être légal. Coucou Camille, coucou les arrivants. Merci à Mettre54 de douceur pour tous les partages. Merci aux amis TikTok qui prennent le réflexe de partager et liker, ça aide beaucoup. C'est de l'art abstrait? Non mais c'est plus abstrait qui nous mit. C'est de l'art démoniaque, là c'est pas possible. On dirait un mélange, en fait on dirait un mélange entre des visages d'enfants et des vieux visages. C'est Esther et sa sœur jumelle diabolique, pour ceux qui connaissent le film. Ok, la valve. Ça fait quelque chose ici. Ok, il y a un câble rouge de déconnecter. C'est l'alimentation. Là, moi, j'aimerais bien mettre la poignée de la... Oh. Ah bah, je suis pas sûr que j'aimerais au final. Oh mon dieu. Je suis pas sûr que j'aimerais au final. Coucou les arrivants. C'est jumpscare de l'enfer. La sirène de Silent Hill, c'est quand le rythme cardiaque dépasse les 100, c'est normal. C'est vrai, Sidi, pas de soucis, t'inquiète pas alors. Ok, je le sais, je le saurai maintenant, d'accord? Je pourrais pas faire plus, mais au moins je le saurai, tu fais bien de me dire. God, j'ai pas envie d'y aller. Coucou Aïché, coucou les arrivants. Le sujet est arrivé jusqu'au point de sauvegarde. Activation de la partie 2. Ils font des expériences sur nous à l'assaut. Hein. C'est saut. Hein. Ils nous mettent en mode escape game de l'enfer et... C'est pas quelqu'un qui a perdu la tête, ça? Ok, une sculpture avec la tête toute tordue.
T'as à moitié arraché. J'ai un problème quand j'ai cligné des yeux, mais j'ai l'impression que quand j'ai cligné des yeux, il y a eu quelque chose, non? Merci Kevin, merci tout le monde pour vos gifs sur TikTok. Meurs tant que tu le peux encore. Meurs tant que tu le peux encore. Coucou Talion, coucou tous les arrivants. Ok, ça c'est un générateur, il faut de l'essence. Je peux pas aller plus loin, hein. Il fait trop noir là. Ah, attendez, j'ai récupéré un truc. Peut-être que je vais pouvoir le foutre dans, dans les disjoncteurs de la partie 1. Pourquoi suis-je ici? Salut Animel, coucou tous les arrivants. Je pense qu'on va essayer de mettre ça dans les premiers... Putain, mais il y a un truc qui nous souffle aux oreilles depuis tout à l'heure. On le voit pas en plus, hein. Ah putain, si on le voit. Ah, quel enfer, vous le voyez ou pas? Vous le voyez? Non, non, c'est pas notre respiration, non, non. Non, non, le A, regarde. Coucou les arrivants. Vous le voyez pas? Si, si, vous le voyez. Là, vous le voyez quand même. Vous voyez. Je peux pas faire mieux, là. Hein, à part rentrer dans sa bouche. Vous voyez pas? Si, vous voyez. Il a des paillettes dans les yeux. Il a des paillettes dans sa vie. C'est Kevin. Mais des paillettes dans notre vie, là. Je vais me prendre un karma. Coucou les arrivants. Ok, alors attendez. Là, il y en manquait un. Que la gueule. Vous voulez que je me rapproche? Je le fais, hein. J'ai pas peur, moi. Vous voulez que je me rapproche? J'ai pas peur, hein. Bien tenté, jumpscare. Je peux pas faire plus. Je peux pas faire plus. Je peux pas faire plus. Je l'ai fait pour vous, hein. C'est ici. Alors, it's here, c'est ici, ça veut, en la façon dont c'est dit en anglais, ça peut aussi vouloir dire il est ici. C'est pas forcément un objet. D'ailleurs, je pense que c'est plus dans ce sens-là. Oh non, pas un truc derrière moi quand je me retourne, s'il vous plaît. C'est l'essence pour le générateur. Ça fait mal, ça fait mal. Putain, regardez, il y a quelqu'un sur la chaise. Regardez là-bas. Vous voyez ou pas, il y a quelqu'un sur la chaise? Il était pas là tout à l'heure. Je crois que c'est le mec qui est apparu. Vous savez qu'on a cligné des yeux et il y a eu un truc. Je crois que c'est lui. Les arrivants. C'est un putain de mannequin encore. Ouais, il y a la capsule de Sangoku. Putain, non, on l'a entendu se lever. Je suis sûr que c'est lui qui s'est levé de sa chaise. Ok, il y a un espace pour mettre un processeur.
pas refermer ça. Je crois que c'est derrière moi que ça a marché. Un petit air de Vecna, ouais. Du coup, les arrivants. Ok, on va pouvoir remettre le câble rouge qui manquait, du coup. Et ça, ça va faire quoi, du coup? Ah tiens, on peut pas revenir en arrière. C'est bizarre qu'on puisse pas revenir en arrière, sachant qu'on y a des énigmes qui nous restent à faire. Oh, merci Morgane pour les 10 sub-gifts sur Twitch. Merci beaucoup. Merci à toi, Morgane. Coucou les arrivants. Non, je me suis dit qu'il y avait des câbles électriques pour ouvrir cette porte, peut-être maintenant, mais non. Là, on vient où on était. Non, on peut pas. Là, il n'y a rien. Et là, on n'a pas le processeur à mettre dedans. Qu'est-ce qu'on loupe? Là, on peut pas y rentrer. On va louper quelque chose ici. Ah putain, ça s'est ouvert, la grille. Vous avez raison, il n'y a plus de grillage. Merci Eva pour les 100 bits. Merci beaucoup. Coucou les arrivants. Pourquoi je n'arrive à rien me souvenir? Le chat a toujours raison, Enfin, ils ont pas tort. Hein. Par contre, il y a quelqu'un qui est en train de bouffer quelque chose là. Là, il manque un levier et ça, c'est un truc pour mettre une carte dessus. Tellement fin. On est dans une merde. Ok, j'ai pris la batterie pour l'horloge apparemment. Ok, il faut qu'on aille à l'horloge. Nous permettre d'ouvrir la porte. Merci Cora Elfie pour le 5e mois de sub. Merci beaucoup à toi. Non, ça va, Inibala. On l'a vu, c'était plus pour faire flipper que pour jumpscare, mais. Ah putain, c'est la tête de la statue. Get it out. Get it out, my. Ma tête. Get it out, ça veut pas dire sors d'ici, ça veut dire sors-le d'ici. Oh. Oh. Oh mon dieu. Oh mais c'est pas possible. Il se déplace lui hein. C'est lui qui bouffait ou c'est une créature? J'ai l'impression que c'était une créature qui bouffait. J'ai l'impression que c'était pas le mannequin, mais je suis pas sûr. Le musée de l'horreur, ouais, c'est ça précis. J'ai l'impression que c'est pas lui, j'ai l'impression qu'il y a une vraie créature qui bouffe les gens. Ok, on va essayer de remettre la tête au mannequin. Enfin, à la statue. Non mais la personne qui fait des tableaux, Angie, au secours quoi. Et ça s'est ouvert du coup.
Ah putain, elle a disparu la statue, elle était là. Je crois qu'elle était là, la statue. Elle s'est barrée. C'est un levier. Coucou les arrivants. Je... Deuxième checkpoint imminent. Préparation de la section 3. Je me demande si on n'est pas un robot. Je me demande si on n'est pas un cyborg. Ils nous font faire Salut Salem, coucou les arrivants. Salem, tu te reposes ce soir. Je vois bien la dame de la météo. Alors attention, demain prenez vos parapluies, vous allez vous prendre une petite pluie de sang dans la tronche. Merci Toxicity pour le follow. Bienvenue à la commune. Là on peut pas passer. On a eu le levier. Le levier c'était où? C'était là, il me semblait que c'était dans la section d'après. Je crois que c'était dans la section d'après, le levier. T'as beaucoup trop à peur? Bah surtout t'as trop t'as beaucoup trop pas d'orthographe à mon avis, de grammaire. Oui, sad. Ce qui est pas grave. Hein. Ça arrive hein, de pas avoir un français parfait. La fin est proche. Merci Julia, ça fait 7 mois. C'est complètement dingue, Julia. Merci à toi pour ta présence. Coucou les arrivants. Une des statues qui a de la tête, qui a une tête. C'est moi ou on tourne en rond? Coucou les arrivants. Elle me regarde, mais elle me regarde sans leur tête. C'est encore pire. Elle me regarde, mais sans tête. Comment on dit quand une statue nous regarde mais elle peut pas nous regarder parce qu'ils ont pas des yeux, enfin ils ont plus de tête, comment on appelle ça? Elle se retourne vers moi. C'est Corsu, coucou tous les arrivants. Désolé, je loupe des bonjours, je peux pas vous dire un par un, mais je vous vois. Je suis trop content de vous retrouver. C'est vrai, coucou Salem, tu te reposes hein. Ah putain, il y a des mains qui sortent de partout, quel enfer. Laissez-moi sortir. On va aller vers la porte qui a pas de main à chaque fois. Il y a un truc par terre. Cette merde.
Ah, je vois ce que tu veux dire, Mathilde, mais je pense qu'il y a ça. Je pense qu'on est, on n'est pas complètement humain, ou peut-être qu'on a eu un accident, et comment dire, ils ont mis notre cerveau, notre conscience dans un truc un peu... Et ils nous font des tests sur nous, parce qu'on s'appelle, on s'appelle subject, subject en anglais. C'est sujet, vous savez, comme les sujets de tests, qu'on fait des tests sur des rats de laboratoire. Robotique et il y a un sacré trou là-bas devant. Je dirais pas quoi ça me fait penser, mais bon. Un peu Lumi, un peu comme Robocop, tout à fait. Coucou les arrivants. Salut Cindy, salut tout le monde. Je crois qu'il faut foutre l'œil dedans. Hein. Attendez, il y a une énigme. 1, 2, 3, il nous manque le 4 et le 5. Si on fout l'œil, il se passe quoi? Des trucs, non? Ah, attendez, on les fait dans l'ordre. Donc, 1, 2, 3. Ah, putain, c'est une main. Ah non, mais ça, c'est pas une main de robot. Hein. On a une main, on en fait quoi? En plus, c'est parce qu'il manque des mains, il y en a de partout. Après, il y a quelqu'un qui est passé par là. Regardez, il y a les traces de sang par terre. Nir. Ah oui, oui, la fin est proche. Ça, on a dû faire. Il nous restait quelque chose dans la première section. Les empreintes. Et du coup, on va pouvoir. Il y avait un endroit où on pouvait badger une carte. La fin du programme. Ça, c'est Javert. Merci pour Caroline. 9 mois, dis donc. Merci beaucoup. Regarde, c'est le fantôme vampire au bout de 9 mois. Merci à toi pour ta présence. C'était où? C'était là, le badge? Je crois que c'était là, hein, sur la gauche. C'est moi ou il y a quelqu'un qui est apparu? Parce que je regardais le chat en même temps. Santé, Emma. C'est là où les traces de pas loin. C'est la pièce qu'on a vue au début du jeu à la télé, vous vous souvenez ou pas? On avait mis la télé, on voyait un humain avec un masque, genre comme un professeur qui était devant ses écrans, et se faisait tuer par un mannequin. Vous vous souvenez ou pas tout à l'heure, au début du jeu? Je crois que c'est cette personne-là qu'on a vue à la télé. Oh, il s'est fait oh, il a plus de cervelle. Ah, mais ils lui ont arraché le cerveau! Ils lui ont arraché le cerveau, regardez. Coucou les arrivants. Je pensais que sa tête était cramée, mais non, c'est qu'il manque la partie haut de la tête. Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Third checkpoint complete. Processor unit has been obtained from previous cycle subject. Prepare section 4 event. Préparation de la section 4 en cours. On a le processeur du sujet président, donc c'était du sujet président. Précédent, c'était le 12, on est le sujet 13. Oh putain, regardez la tête géante. Je crois qu'il fallait revenir par là. Je sais pas pourquoi je disais précédent à chaque fois. Je crois que c'est là. Hein. Ah bah oui, si vous regardez, il nous attend, il nous regarde. C'est là.
On fait quoi? Oui ou non? Qu'est-ce qu'on fait? End protocol. Juste cliquer dessus. Hein. Désactivation de l'environnement. Protocol 9 complete. Protocol 9 complet. Tous les objectifs sont atteints. Ouverture de la chambre d'évaluation. Subject X2102 has entered the evaluation chamber. Sujet 2002. Proceed with protocol 9 evaluation. Ok, on entre dans la salle d'évaluation. Calculate result of experiment cycle 13. Calcul des résultats du sujet 13. Le sujet accomplit avec succès l'environnement de test 1. Analyse des propriétés du sujet avec l'humain numéro 5. Confirm. Subject did not demonstrate desired response improvements to threat or fear stimuli. Competence remained regular throughout repetitive direct stress testing. Ah bon? Ils disent que... Comment dire? J'ai pas eu plus de peur que ça en fonction des stimulus. Conclusion, l'humain modifié a été amélioré. Évaluation complète. Le sujet a rempli tous nos objectifs. Reconsideration. Subject is suitable as a specimen for experimental neurocolony X67P. Affirmative. Subject will be transferred to X67P. Je pense qu'on a un humain qu'ils ont essayé de modifier pour qu'on n'ait pas de stimulus en fonction de la porte ou la peur ou nos émotions. Mais je pense qu'ils n'ont pas entendu crier. On me parle pas de cet enfer, je déteste ce personnage. Ils ont arraché la tête des gens. Je pense que les sujets qui faisaient pas la verre, ils ont arraché la tête des gens. Merci Camille pour ton follow. Bienvenue à la commune. Coucou les arrivants, comment ça va? Qu'est-ce que vous avez pensé, les amis? Donc apparemment, on a un humain. En fait, c'est un centre d'expérimentation. Ils prennent des humains et les modifient. À moitié avec des puces électroniques, etc., pour en faire, comment dire, des humains évolués qui n'ont pas de peur, pas d'émotion, etc.